家好，我是朱利安。我现在呢在法国南部的科比埃产区，去一家叫做 Cigalus 的酒庄，就是当地大哥大吉哈伯通所生活的地方的。现在呢我们去见他，然后跟他一起吃早餐。Bienvenue les gars, hein, Cigalus. Merci. Merci beaucoup. Le petit déjeuner avec... avec Gérard Bertrand lui-même. Avec Julien et son équipe et puis avec nos amis avec Magnum et Socrate. Parle-nous un peu de la saga Gérard Bertrand. Ah, moi j'ai commencé à l'âge de 10 ans avec mon papa Georges Bertrand à faire du vin. Puisque à l'âge de 10 ans, en 75, j'ai fait mes premières vendanges officielles. J'ai pas fait grand chose mais j'étais là pendant 10 jours. Et il m'a dit à la fin des vendanges, tu sais, Gérard, quand tu auras 50 ans, tu verras, tu auras 40 ans d'expérience. Quand mon père est décédé accidentellement, j'avais 22 ans, donc j'ai repris du jour au lendemain les rênes du domaine familial. Et comme jusqu'à l'âge de 30 ans, j'étais aussi rugbyman, ouais. Puisque je joue au plus haut niveau, que ce soit en Narbonne, puis au Stade français, puis quelques sélections. J'étais occupé entre le domaine familial, la société de courtage qu'il avait, plus ma carrière de rugby. Puisqu'on est passé de 3 personnes à plus de 400 maintenant, donc ça a été... T'as commencé à 3 personnes? Ouais, ça a été une aventure. C'est quelle année ça? 87. Et puis après, petit à petit, je suis allé voir les banquiers qui m'ont accompagné depuis le début. Et puis j'ai repris des domaines. Le deuxième que j'ai repris, c'est ici. Et puis après, en 97, j'ai repris le château La Ville-Vertroux à la Livinière. Puis ça s'est enchaîné avec vraiment le changement, c'était l'hospitalier en 2002. Là, j'ai pris beaucoup de risques parce qu'en fait, j'ai fait un chèque plus gros que mon chiffre d'affaires. Et j'ai passé 6 mois à peu près sans dormir. Et puis ça a marché, quoi. C'était un pari audacieux. Est-ce que justement cette carrière de rugby à haut niveau a une influence sur ta manière maintenant de gérer ton business? Oui, le rugby c'est un sport de combat, c'est un sport aussi où il faut se dépasser, dépasser ses limites pour les connaître. C'est un sport aussi où il faut développer le vivre ensemble parce que tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Donc ça veut dire c'est vraiment la fraternité humaine. Donc oui, dans l'entreprise on a beaucoup cet ADN du rugby. La performance, le fait de jamais se résigner, se lever tôt, se coucher tard. Et puis, on aime faire la fête, c'est-à-dire on aime partager. Et c'est vrai que quand il y a une occasion de célébrer, on le fait, quoi. Tu dois avoir une hygiène de vie assez irréprochable, non? Je cours, continue à courir 3 fois par semaine. Je fais du yoga tous les matins. Ah, tu fais du yoga tous les matins? Oui, et j'essaie de méditer 2 fois par semaine le week-end. J'écris aussi, puisque j'ai écrit 2 livres. Là, je suis en train de travailler sur le 3e, mais j'en suis vraiment au balbutiement. Viens t'asseoir 5 minutes. Bonjour. C'est Julien et Quentin. Enchanté, oups. Enchanté. Quand on s'est tourné vers la biodynamie, c'est en 2002, ça a été aussi une expérience. Nos enfants avaient 2 et 4 ans, et donc ils se baladaient dans les vignes tout le temps. On s'est dit, ce serait quand même mieux pour eux aussi qu'ils soient dans un environnement adéquat, avec aucun intrant chimique. Et on a dit on va y aller, donc on a pris la plus vieille parcelle, 4 hectares, on l'a coupée en 2, la moitié en biodynamie, l'autre moitié en conventionnel. Et on a vu les changements au bout de 2 ans en termes de vigne. La vigne en biodynamie avait retrouvé un meilleur équilibre. Et dans la cave, on faisait des blancs qui étaient des blancs assez plats à l'époque, avec des acidités basses. Et on est passé en 4 ans de moins de 4 d'acidité à 5,5 à 6 acidité. On a plus d'acidité parfois qu'à Chablis, quoi, alors qu'on est au bord de la mer. Depuis combien de temps tu es en Chine? Écoute, je suis en Chine depuis une quinzaine d'années, mais depuis maintenant 4 ans. On a mis en place une équipe qui est managée par Oscar Nagoré, qui fait un super travail avec toutes ses équipes. C'est vous, Bertrand. Et donc la Chine, c'est vraiment... D'abord, c'est un pays que j'adore,
parce que c'est un pays qui a des traditions, il y a 5000 ans d'histoire. Ils aiment beaucoup l'art de vivre français. Et moi, j'aime beaucoup la cuisine chinoise, elle est extraordinaire. Donc avec les vins, ça marche très bien. Mais là, ça fait quand même 2 ans et demi que j'ai pas mis les pieds, ça me manque. Ça me manque. Magnum, ouais. T'as le copain là. Et l'amour. Combien d'hectares il y a sur Cigalus? Quasiment 80 hectares. Attention mon chien. Oh attention, purée les chiens. Oui, non mais... Chien que bien drôle, lao ban de... lao ban de gong. Principalement, c'est 3 cépages blancs sur Cigalus, hein, Chardonnay, Sauvignon et Viognier. 80% de Chardonnay qu'ils amènent la structure et le gras, le Sauvignon, l'acidité, et le Viognier, le fruit. Donc, on est maintenant arrivé à leur territoire très spécial. Ici, c'est un terroir de vieux Laotang de Jialinyang, 100 ans de Jialinyang. C'est Jia Botong de nainai ou de waipo cultivé. Et donc là, à partir de cette parcelle, vous êtes une cuvée spéciale. Oui. Elle s'appelle comment la cuvée? Cuvée 100, cuvée rougée, cuvée 100. Cuvée 100. Voilà. 8公顷的老藤嘉陵酿，100年的老藤，八公顷还挺大的，我觉得。很多人说老藤的产量呢会很低的，但是你们看，其实呢，这个葡萄藤的已经结了很多很多。葡萄串是嘉陵酿的一个特点，嘉陵酿本身是一个产量比较大的一个葡萄品种。Ça c'est de l'argile quoi. Voilà, il y a beaucoup d'argile, des limons, de l'argile. Des limons, de l'argile. Et voilà, après c'est un sol qui est compact, hein, on le voit. C'est très dur, hein, voilà, c'est très dur. C'est pas un sol typique des Corbières. Et qu'est-ce qu'il y a? Les galets roulés sur Boutenac. Ouais. Ils sont souvent coteaux et c'est des galets roulés. D'accord. Ici c'est presque une plaine. Hein. C'est un environnement sec. Bon, en même temps, il y a des oiseaux. Il n'y aurait pas de vent, il ferait soleil, il y aurait sûrement des abeilles sur ces fleurs. Pareil, on n'emploie pas d'insecticides. Hein. Le gars qui passe un insecticide en journée, il tue les abeilles aussi. Et on a besoin des abeilles. Voilà l'hôtel. À l'hôtel, voici. L'hôtel. Si vous avez du bien, bonjour. 这是原来放骡子的地方，看这边做个烧烤。哎，不要，不要，好像这里。Qu'est-ce que tu nous fais déguster là maintenant alors ? Alors on va déguster un Cigalus blanc. Ouais. Ok. Millésime 2020. D'accord. Voilà. Et ensuite, un Cigalus rouge de 2020 aussi. D'accord. Millésime. Allez, on y va. Est-ce que dans la région ici, est-ce qu'il y a un effet millésime ou pas? Oui. Ou est-ce que c'est oui, par rapport, c'est assez stable parce que, enfin, oui, c'est stable parce que on peut avoir quelques variantes en fonction de la météo, mais on sait très bien que climat méditerranéen, tous les ans, on va avoir de la chaleur, on va avoir beau temps. Ouais. On peut avoir des printemps plus ou moins humides, mais les étés se ressemblent et se suivent. Ce serait quoi pour toi, dans les 10 dernières années, le millésime vraiment exceptionnel? Tous les millésimes de Cigalus. Ah ouais. Tous les millésimes de Cigalus. La vérité. La vérité. 2015, moi, je... c'était 2015. Pas mal. Donc, on est sur les 3 cépages principaux que nous avons sur Eblan. Donc, majoritairement le chardonnay. Ouais. Nous amène le gras, la structure qui représente 80% du produit, du Sauvignon, ouais. Voilà, qui pour 15% environ, qui nous amène de l'acidité, okay. Tac et l'acidité, et une pointe de fruits avec notre Viognier. C'est vraiment très très fruit à noyau, l'abricot, la pêche, la pêche plate un petit peu, un côté un peu sucré. T'as un
toute petite pointe un peu, je trouve, mentholée. Ça vient, c'est un truc un petit peu végétal, je trouve, peut-être du Sauvignon. Mmh. T'as une belle acidité, mais t'as aussi beaucoup de gras. On le retrouve, le côté beurré en fin de bouche, sur la langue. C'est un vin, je trouve, qui va s'accorder avec énormément de plats différents. Oui. Parce que tu as c'est très frais, mais en même temps, tu as du gras. Donc c'est à mi-chemin entre vraiment, tu sais, entre les sauvignons blancs pas boisés et les chardonnays un peu plus gras. On est à mi-chemin entre ces deux styles de vin. C'est tout l'art de l'assemblage. Ouais. Face au rouge. 白葡萄酒呢是比较好记的，它只有三个葡萄品种，一个是霞多丽，一个是长相思，一个是维欧尼。但是呢，红葡萄酒呢，就混酿的品种比较多。 Ah là, c'est un peu plus compliqué là. Pléthore de cépages. Donc c'est d'abord principalement. Il y a du Merlot. Caladoc. Cabernet Sauvignon. Grenache. Syrah. Un peu de Mourvèdre. Un peu de Carignan. Pointe de Carignan. Et le fameux Marcellin. Mais bon, souvent on le met pas, il rentrait. On avait du mal à le faire rentrer dans l'assemblage de Cigalus. Ok, quand je me dis, enfin là, tu vas avoir 7 à 8 pour ta pinjon. Ça sent bon en tout cas. Ouais, c'est marrant. Il y a un petit côté vanillé. Ouais, c'est combien le Merlot, ça fait quelle proportion ce vin là? On est à combien? 30%, pour un tiers à peu près. Je me disais que malgré la proportion importante de Merlot, de Cabernet Sauvignon, de ces cépages bordelais, t'as quand même un petit côté garrigue, je trouve. Pour moi, ça c'est bien fait, parce que ça sent pas le bois. Hein. Ça fait vanillé. Par contre, t'as vraiment un tanin. J'ai le tanin qui est plus bordelaise, je trouve. Des tanins un peu plus pointus. En finale. Et lui, il faut l'octane, hein, celui-là. Il faut l'octane au moins un dingue. Et du coup, le Cigalus rouge, tu penses, ça tient combien de temps? 10 ans. 10 ans, ouais. Ça, on peut attendre. Facilement 10 ans. Ouais. 所以这款酒呢，它还是以这个菠萝品种为主的，很有意思，因为它的这个香气呢，还是很美乐的感觉，它有一些这种我们说的黑梨子啊，一些黑色浆果，但是同时呢，它也有一点点这个地中海的气息。我觉得还有这个酒呢，还有一点点这个紫罗兰的香气的，花香也比较明显。 Merci Bertrand pour cette visite. Avec plaisir. On a appris beaucoup de choses sur Cigalus et j'espère qu'on te verra un jour en Chine. À bientôt. Ouais, merci. Prends soin de toi. Je pense que ici, il y a quelques points. Premièrement, c'est que KBI 产区比较有代表性的酒庄。 虽然如此呢，它用的葡萄品种呢都是非典型的，但是呢，葡萄酒品质还是很好的。另外一点呢，是这边的葡萄园全都是用生物动力法管理的，也是吉哈伯通生活的地方的。最后呢，它的老藤加林酿呢，让我印象特别深刻。好了，希望你们学到东西了。